Ces vieux claviers ont souvent un son exquis comme ça, mais si vous me voyez faire des grimaces, très souvent, c'est parce qu'une note a été plus dure qu'une autre et ça risque de s'aggraver avec la chaleur qui monte. Non posso fermer. Je voudrais que tu me dises quel genre de professeur est Scott Ross. Professeur, c'est pas vraiment le mot, c'est plutôt un maître. C'est un génie qu'on regarde vivre, et puis qu'on regarde jouer, et puis qu'on écoute. Il respire avec la musique qui est en train de se faire. Par exemple, il bouge pas au début, et puis donc dans un certain moment, il fait un petit mouvement, et voilà, tout est là. Ouais. On n'a plus besoin d'écouter ce qu'il va vous dire après. Parce qu'on sait déjà. Ouais. On sait déjà. Tu parles trop. Oui, je sais ça. Tu joues pas assez et tu parles trop. Allez, joue. Oui, alors, je voulais justement dire que... Ah, il y a des profs comme ça, là, on n'a même pas la... Bon, on peut même pas jouer la première note. Non, c'est pas comme ça. Il y en a même qui donnent des cours sur la façon de s'asseoir au clavier. Bon, assez plaisanté. C'est la même chose du début jusqu'à la fin, là, cette fugue-là. Alors, ce qu'on dit pour le début, c'est valable pour toute la fugue. Le problème ici, c'est que tu ne fais pas la distinction entre les temps forts et les temps faibles. Tout se passe comme si tu le jouais à 3-8. Autrement dit, c'est tom, ta-ta-tom, ta-ta-tom, ta-ta-tom.
Et ce que nous voulons, c'est un accent sur le temps fort. Alors ça, ça peut se faire par l'articulation, ça peut se faire... Par exemple. Et je trouve que, bon, par exemple, dans les passages... ici, là, tu avais tendance à faire comme si c'était des mélodies. Mmh. Or, ce ne sont pas des mélodies. La mélodie est la... Regarde ici. Ré, do, si, si, la, sol. Et quelquefois, pour accentuer, beaucoup plus de variété là, dans l'articulation. Oh, ces vieux bouts de bois, hein, quelquefois ça me... C'est un très très beau son. Mais... Mm. Tu vois ce que je veux dire là? C'est-à-dire qu'il faut pouvoir jouer toujours avec l'articulation. Il faut pouvoir, quand on a envie d'accentuer quelque chose, de bien appuyer les trois temps. Mmh. Et quand on est dans les passages qui sont moins intéressants musicalement, qui ont moins de contenu dramatique, et bien là, à ce moment-là, bon, ben on passe ça avec, en accentuant les temps forts. Alors... Là, j'exagère un petit peu, hein, mm-hmm. mais... parce qu'on ne peut pas simplement faire ça un peu machine à coudre, bam, papapam, 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 papapam. Quand il y a des arpèges au clavecin, en général, il convient d'enrober ça pour que la note importante, c'est-à-dire en général la plus élevée, ou la basse, ressorte. Ok, alors non pas... Ça, c'est vraiment le TGV, là. Disons que ce n'est pas une approche intelligente. Il est indispensable là, d'avoir une approche d'analyse, toujours d'analyse. Bien, eh bien, faisons encore un peu.
Oui, enfin, la fin, là, c'est, on se demande, c'est comme quelqu'un qui aurait tiré sur le frein d'urgence dans le train, là. Il faut quand même l'amener un petit peu, qu'on ait davantage l'impression que c'est fini. Avant le thème ? Non, tu peux pas simplement te permettre. Attends. Ah, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Regarde cet accord. Bam. Bing, bang, bing. Bon, très bien. Tu vois, ça a commencé très, très bien. Et puis, vers le milieu, tu as commencé de nouveau à articuler pas mal. Et c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Parce que tu comprends, là, comme la pièce, finalement, elle a la même texture. Ouais. Depuis le début jusqu'à la fin, il n'y a rien de nouveau, il y a pas de... c'est une fugue de toute façon, et puis il n'y a pas de nouveaux éléments. Alors ce qu'il faut faire pour la rendre dramatique, eh bien, c'est l'épaissir à mesure qu'elle avance. Donc, et l'épaissir, ça veut dire tenir de plus en plus de notes. Alors on commence par les faire les gâteaux, et après on traîne les touches sur le clavier, et de toute façon, l'effet physique de ça, c'est que ça fait plus de bruit parce qu'il y a plus de cordes en vibration. Tu n'avais jamais pensé à ça, je parie. Tu entends ce raffut que je fais à la main gauche là, en tenant toutes les notes. D'accord. Le baroque est caractérisé surtout par ce qui s'appelle les formes ouvertes. J'ai compris tellement de choses en voyant des peintures baroques, en voyant des sculptures. Le seul contact que nous avons avec les compositeurs de cette époque-là, parce qu'on sait bien qu'on ne peut pas entendre les sons qu'ils entendaient, c'est impossible. Mais on peut regarder les mêmes choses qu'eux, ils regardaient. La seule chose qu'il peut utiliser, c'est la musique. Et la seule chose qui peut lui apprendre véritablement quelque chose, c'est la musique. C'est-à-dire la partition. Nous avons besoin des musicologues pour nous donner des bons textes. Ça, c'est normal. Un acteur, là, ou comment on appelle ça, là, un directeur d'une pièce de théâtre, il ne va pas se torturer pour savoir s'il y a une virgule là, s'il y a un point-virgule là, quand il décide de monter une pièce de Molière. Il ne peut pas, parce que ce n'est pas ça qui compte. D'ailleurs, ils n'hésitent pas à changer le texte allègrement. Eh bien, pourquoi nous, il faut qu'on mette une virgule là et un point-virgule là? De toute façon, comment on ne saura jamais, alors ça c'est impossible, comment les choses se faisaient? On peut seulement deviner, on peut seulement supposer. Eh bien, la seule façon de comprendre la musique, c'est par une approche analytique de la musique elle-même. Si on te disait qu'il faut jouer du clavecin, tourner dans la direction où je suis tourné par rapport au clavecin maintenant,
Tu dirais, ça n'existe pas. Et bien pourtant, c'est ce que dit de faire François Couperin dans son art de toucher les clavecins. Alors, tout est tellement relatif et tout est tellement subjectif que moi, je dis qu'il y a une seule manière de jouer la musique ancienne comme la musique moderne, comme la musique romantique, c'est la bonne façon. Et il y a un style ambiant et il faut que ce qu'on fasse corresponde à un style ambiant, c'est tout. Et ce style, il changera sans arrêt. Alors, il n'y a pas de règles, c'est pas vrai, évidemment. Ça, c'est un paradoxe. Oui, c'est un paradoxe, mais je veux dire, c'est une question philosophique. Je veux dire, il y a tellement de choses. Bon, c'est pas parce que dans un traité, Couperin a dit, eh bien, vous savez, vous devez jouer tam, patam, patam, des choses qui sont écrites ta, 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 ta. Ça c'est une chose là, qui est exprimée dans un français qui est compréhensible pour tout le monde. Mais combien de choses n'étaient pas écrites dans son traité? Des choses peut-être 10 fois plus importantes et qui simplement étaient tellement ambiantes qu'il n'a jamais pensé. Je ne sais pas, moi, quand on regarde autour de soi la quantité de choses là, qu'on ne remarque même pas parce qu'ils sont là, ou ils ne nous viendraient pas à l'idée d'en parler. Ouais. Tu es un enfant doué? Mais bien entendu, de même que je suis un adulte doué. Benissimo. Ci sono due cose importanti in questa cosa. La prima è il fraseggio. Certo. Il fraseggio perché è la stessa cosa dall'inizio alla fine. Certo. E questo tu l'hai fatto benissimo, è molto importante. Ma insomma si può esagerare un po' di più, perché il clavicembalo, quello che ascolta, non sente bene una cosa che non è abbastanza esagerato. Allora vedremo poi. E c'è un'altra cosa, mi sembra che un po' assomiglia un po' a un treno rapido. È un,
è un brano molto lussuoso e molto, molto sensuale. Allora, io preferisco così. Anche se è un po' più lento. Sempre ben separare le sezioni, certo. Perché se no non si sente, non si sente bene. E col clavicembalo è spesso interessante esagerare un po'. Un po', certo. Siccome le nozze in galla esistono per rendere più interessante una melodia, allora quindi quando c'è una melodia, allora si può fare. Quando c'è questo stile luthé, allora non c'è melodia. Certo, sono solo accordi. Eh sì, sono... La melodia è lì, certo. Ma non si può legalizzare fare. Perché certo. Ci sono troppe note. Appena, poi si può andare avanti. Le baroque est caractérisé surtout par ce qui s'appelle les formes ouvertes. J'ai compris tellement de choses en voyant des peintures baroques, en voyant des sculptures. Le seul contact que nous avons avec les compositeurs de cette époque-là, parce qu'on sait bien qu'on ne peut pas entendre les sons qu'ils entendaient, c'est impossible. Mais on peut regarder les mêmes choses qu'eux, ils regardaient. La seule chose qui compte, c'est de connaître le matériau sonore avec lequel a travaillé le compositeur. Autrement dit, il est impossible pour un pianiste
d'avoir une approche intelligente de Mozart s'il ne connaît pas, s'il n'a pas pratiqué l'instrument de Mozart. Mais moi, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut jouer du Mozart sur des pianos de l'époque de Mozart. C'est là l'erreur. Parce que les pianos de l'époque de Mozart sonnent comme des vieilles casseroles. Ça, tout le monde est d'accord pour le dire, sauf quelques anciennistes attardés qui disent que tout le charme de Mozart, là, c'est ces vieilles casseroles sur lesquelles il jouait. Il vaudrait mieux qu'ils admettent là, qu'un des plus grands génies de l'histoire de la musique est né à une époque où il a écrit pour un instrument dont la forme n'était pas encore cristallisée. Je crois que les violonistes qui veulent jouer du Bach doivent connaître obligatoirement le violon baroque. Et ils doivent l'avoir travaillé sérieusement. Après, s'ils veulent le jouer sur l'ocarina, sur le violon moderne, sur la mandoline, très bien. Mais ils auront compris une chose là, qu'ils n'auront jamais compris sinon. Alors, comme Glenn Gould là, n'a jamais su ce que c'était qu'un clavecin, comme Landowska n'a jamais su ce que c'était qu'un clavecin, ça paraît une hérésie de dire ça, mais je veux dire, l'instrument qu'elle jouait n'était pas un clavecin. Comme Maria Tipo ne sait pas ce que c'est qu'un clavecin, moi, je ne peux pas apprécier sa façon de jouer du Scarlatti au piano. Horowitz, pareil. Une hérésie après l'autre, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je ne peux pas dire les choses autrement qu'elles sont. Et moi, si je voulais apprendre... je ne sais pas, jouer n'importe quel instrument comme ça, je commencerai par me demander mais de quoi disposait le compositeur. Est-ce que tu es méticuleux? Je suis méticuleux au-delà de ce qu'on peut imaginer parce que j'ai une qualité ou un vice, comme on préfère, c'est la persévérance. Chose à ne pas confondre avec la patience. La patience ne me connaît pas, mais la persévérance... Tu parles à celui qui a enregistré 555 sonates de Scarlatti, hein. Eh bien, il ne fallait aucune patience pour ça. Je n'ai aucune patience pour quoi que ce soit. Est-ce que tu es tendre? Avec mes chats. Est-ce que tu as de la fantaisie? Ah, ça, quelle question, ça tout le monde le sait. Les six partitas, à l'exception de la dernière, sont des choses qui commencent de façon carrée, très carrée, parce que on assoit une partita, on commence de manière forte. Quoi, je ne sais pas le dire autrement. Oui. Alors, même si le prélude de la première partie n'est pas une chose aussi de caractère, aussi excité, on peut quand même donner quelque chose d'un peu plus rythmé. Qu'est-ce que je veux dire? C'est assez abstrait. Dis-le-moi. Ce n'est pas du tout abstrait. J'ai comme une impression, oui.
déjà plus fort, plus costaud. Il faut écouter ce que je dis. Plus costaud, je pense. Et qu'avec ce rythme... Voilà, c'est ça. Non, je suis installé, de te parler comme ça. Mais tu comprends, quel est le caractère fondamental de la musique baroque? Alors, je vais appeler ça baroque parce qu'on n'a pas trouvé de... Early music, c'est très bien, hein, mais musique baroque, personne ne se met d'accord là, sur ce que c'est. Quelle est la caractéristique du baroque, et pas seulement en musique, mais en peinture? Le caractère, les contrastes. C'est les contrastes et puis c'est la liberté des formes. Mm. Okay, c'est-à-dire l'ouverture des formes. Alors ici, là, nous avons des pièces de Bach qui sont, ma foi, un petit peu archaïques dans ce sens-là. C'est-à-dire que la forme n'est pas du tout ouverte, hein, sauf la sixième là, qui est vraiment qui est quelque chose d'exceptionnel. Mais l'autre caractère de cette musique, early music, est le contraste. Alors, comme l'allemande est une pièce là, qui est très douce et voluptueuse, eh bien, pour mieux faire ressortir ça, il vaut mieux avoir un prélude qui soit plus... Il faut s'asseoir là et prendre un air très sérieux et puis... Qu'est-ce que je veux dire? Alors tout ça c'est... Et puis alors après l'allemande là. Quel bel contraste, non? L'allemande, c'est très très bien. Alors là, c'est très voluptueux et nous tenons bien les notes parce qu'évidemment, ça, c'est pas une mélodie. La mélodie, c'est sol,
Eh bien, comme ça. Qui irait dire que la mélodie, c'est da 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 da. Et là, c'est un exemple qui est très clair. Eh bien, là, c'est la même chose. Alors, c'est pour ça que quand j'entends des énergumènes comme Glenn Gould, quand ils font des... Je dis qu'il n'a rien compris à la musique de Bach. Et alors ça, j'ai entendu bien des enregistrements de lui, il n'a pas compris. C'est quelqu'un de très génial, d'accord, je le respecte. Jusqu'à un certain point, pour moi, un artiste qui ne se produit pas en public, c'est... Il y a un problème. Hein. Enfin, c'est un type là, qui a au moins eu le courage de ne pas faire comme les autres. Mais à côté de la plaque, mais si loin de la plaque que je crois qu'il faudrait un 747 pour l'y ramener. Je suis dur avec Glenn Gould, mais bon, maintenant il est mort, hein, donc je n'attaque pas un collègue. Hein. Bon, la courante, je pense qu'il faudrait que tu apprennes à alléger les troisièmes temps de nouveau. Parce que... Là, j'ai tout allongé. Ben, non, tu as tout allégé, je dirais plutôt. Ah. Ça avait tendance à être un peu trop aéré. Et puis, c'est un petit peu trop articulé, d'après moi. Parce qu'on ne peut pas jouer avec la texture du clavier là, si on l'articule tout comme ça tout le temps. Alors... Moins articulé au début de la mesure et ça allège tout. C'est comme ça. Voilà. C'est sûr. Et puis tu vois comment je fais. Thank you.
que la vraie mélodie ici. Dam, da, dam, pam. En somme, c'est une musique, la musique de Bach est une musique très verbeuse. Très verbeuse, et ça ne veut pas dire que comme certains compositeurs qui sont verbeux mais qui ne disent rien, Bach le dit, mais d'une façon cachée. Il utilise constamment ce qu'on appelle la polyphonie cachée. C'est-à-dire, il écrit à une voix et ça peut tout se comprendre à deux voix. C'est un peu comme l'exemple des bergeries de Couperin. Bon, il a recopié ça. Couperin a écrit ça à deux voix et Bach l'a transcrit. Mais forcément, puisqu'il avait la partition devant les yeux, il savait qu'il fallait que... Il ne pouvait pas ignorer que c'est comme ça que ça se jouait. Maintenant, bon, je ne peux pas prouver qu'il le faisait réellement. Parce que Bach, il est mort depuis si longtemps là, que ce n'est même pas la peine de spéculer sur la façon dont il a pu jouer. Là, on peut s'amuser à essayer de se pénétrer de l'esprit là, des choses avec les écrits et tout ça. Mais bon, là, il y a une considération philosophique qui s'impose, à savoir que nous pensons aujourd'hui que nous sommes proches de la vérité d'une bonne interprétation de la musique ancienne, mais nous nous leurrons complètement. Parce que dans 20 ans, ce sera complètement autre chose. Encore. Nous interprétons la musique ancienne à notre façon, mais rien ne prouve là, que nous sommes près de ce qui se faisait. Peut-être qu'il jouait d'une manière très brutale, peut-être qu'il tapait sur le clavecin, qui sait, enfin ça, il y en a qui le font aujourd'hui quand même. Alors, c'est pour ça qu'il faut toujours procéder, c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir une approche analytique. Parce que c'est la seule façon d'arriver à quelque chose là, de cohérent. Bien, tu voulais me dire quelque chose? Oui, cette sarabande qui est un problème, je l'avoue. Oui. Les sarabandes en général sont des danses, bon, au XVIIIe siècle, évidemment, qui sont prétexte, surtout bon, chez Bach, par exemple, à faire des pièces un peu libres. Mais dans certains cas, il reste beaucoup de la sarabande danse. Et alors, c'est le cas dans cette sarabande de la première partita. Ce n'est plus tellement le cas, par exemple, dans la sarabande de la sixième partita, où vraiment là c'est plein d'ornements. C'est fa dièse, là, j'arrive pas à l'attraper. Là. Moi, je suis sûr que quelqu'un l'a mis quelque part là de côté. Et alors. Alors, il y a de temps en temps quand même des endroits là où on peut donner un rythme très sévère, mais c'est quand même beaucoup plus libre. Alors ici, nous avons la possibilité de donner un grand accent sur le deuxième temps, comme il se doit. Même chose pour l'unité. Et maintenant, tempo. Première phrase. Okay.
Alors, c'est vraiment là, c'est, ça doit être très rigoureux hein, au point de vue rythme. C'est ce qui fait, c'est ce qui rend la musique agréable en fait. Et c'est le côté régulier. Mais quand même, une sarabande, c'est une sarabande. C'est ta-dam. Et c'est pour ça que j'arpège le premier. Ta-dam. J'ai découvert le clavecin, c'est... Disons qu'une seule chose importante là-dedans, c'est que j'étais attiré tout spécialement par la musique de Mozart, de Haydn, de Scarlatti, de Clementi, et que j'ai appris un jour qu'il n'était pas, qu'il ne jouait pas du piano. Et je me suis dit, mais alors, quel instrument jouait-il? Et on m'a répondu, le clavecin. J'ai dit, le clavecin, mais qu'est-ce que c'est que le clavecin? Et puis, à partir de ce moment-là, je me suis procuré un disque, et puis je voyais le genre de son que ça faisait. Et puis, en mettant des punaises dans les marteaux de mon piano, j'avais quelque chose d'un peu semblable. Et puis après, j'étais un peu obsédé par l'idée de faire du clavecin. Alors, c'est pas par hasard, en fait, que j'ai fait du clavecin. C'est pas une découverte. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, comme c'est curieux. C'était pas du tout comme ça. Non, c'était un choix. Il fallait que je trouve un clavecin après. Est-ce que tu es tyrannique? Ah, terriblement. Terrible. Voilà, les gens qui sont autour de moi, là, sont mes esclaves, sont vraiment là. J'essaie de faire ça le plus possible avec un grain de sel, mais c'est vrai que je suis un directeur. Est-ce que tu es génial? Bah, forcément, je suis génial. Mais chacun a son... comme il a son grain de folie, il a son grain de génie aussi. Par exemple, personne ne fait une mousse au chocolat aussi ferme et aussi et qui tienne aussi bien que celle que je fais. Et moi, je préfère le génie, par exemple, d'une bonne ménagère, de la cuisine d'une bonne ménagère, que le génie de ces connards de scientifiques qui nous ont inventé la bombe atomique. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais me dire comment tu t'appelles? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je m'appelle Scott Ross. Tout simplement.